Là, il est pas gros, le petit. Avant, on n'achetait rien. Hein. Tout ce qu'on avait, qu'on consommait, on le faisait. On faisait le lait, on faisait le pain. Le lait, le pain, le beurre, c'est pas mal. Hein? C'est le principe. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça la différence. Aujourd'hui, comme vous autres, vous savez, les jeunes, vous avez besoin de quoi? Tu pars, tu vas l'acheter. Hein? C'est la consommation. C'est automatique, n'importe quoi que tu veux. Le lin, même la laine, on se le faisait. T'sais. On avait des moutons, puis on prenait la laine des moutons, puis on se faisait des bas de laine, puis des chandails de laine. Il est là, le gros sel, je te disais, il est dans ce bout-là. Là. Alors, il est loin. Il est gros comme ça. Là. Le ruisseau, il coule. Là. Il ne coulait pas, il a arrêté de couler 2 semaines de temps. Puis là, il a recommencé, quoi. À cause des puits qu'on a eues. Hein. C'est tout du sel, il y a quelques épinettes roux, là, des merveilles. Il est arrivé 2 mois de temps à ce rond-là. À partir de ce site, jusqu'à ce que je t'ai montré. Là. Pas bien grand, hein? J'ai ramassé à près du corps de bois de poêle à ce rond-là. Comme ça, là. Tu vois bien ça, tu sais, qui est bien bon. Là. Mm-hmm. Bon chauffé. Là, on part avec ça. Bien, alors. On part de la plage. Ouais. Oh. Le jardinier de la forêt. Hein? Ça va quand même assez bien. Pas bien de même. Ça, c'est la méthode écologique pour bûcher. Et tout ramasser le bois mort, le bois renversé, le bois tu sais, qui est plus bon. C'est quoi la méthode pas écologique de bûcher? Ben, c'est les grosses machines, les grosses abatteuses. Eux autres, ils brisent plus de bois qu'en récolte, c'est ça? Ils brisent le terrain, ils brisent la repousse, là, la régénération qu'ils appellent. Ah ouais? Puis ça, c'est bien important, la régénération pour la prochaine famille d'arbres. Hein. Pour ça, cette terre-là a toujours été de même. On a toujours ramassé. C'est le bois qui poussait pas autrement. C'est pour ça qu'il y a de beaux bois. Là. Horsepower! Moi, je dis que c'est une richesse que ça nous a été donnée. C'est nous autres qui avons le devoir de la protéger. La protéger, puis là, mais qu'on on passe ça à nos enfants, eux autres, ils vont avoir la même chose, le devoir de la protéger aussi. Ça va être passé de génération en génération. C'est chaud là, maudit.